général Makoso ou encore le DH des pasteurs traverse un moment douloureux. Depuis le départ brusque et subit de sa femme, des agitations s'observent sur la toile. D'autres chantent même qu'il est le coupable. En tête de file, nous avons le chanteur Debordo Likoufa, surnommé le Mimi, qui ne cesse de se moquer de ce dernier. Mais que s'est-il réellement passé pour que Madame Tatiana Kosere, épouse Makoso, nous quitte dans de telles conditions? Choqué par tout ce qui se dit sur la toile, le général a enfin brisé le silence pour situer chacun et donner sa version des faits. Pour commencer, je ne suis pas coupable, dit-il. Il continue alors en ces termes. C'est très difficile pour moi en ce moment. Mon épouse s'est fait opérer le mercredi passé à la polyclinique à Vicienne. La veille de son départ, elle m'avait déjà fait savoir qu'elle ressentait des palpitations, des vertiges. Elle me dit aussi qu'elle avait un malaise. La veille, quand j'ai fini de la laver, je l'ai fait coucher. Le samedi, mes filles, deux d'entre elles, étaient en train de se chamailler violemment. Je suis venu intervenir et les recadrer. Leur maman a même dit, la plus petite, laisse-la comme ça. Elle est trop difficile, celle-là. Et quand mon épouse est venue intervenir à son tour, pour chercher à éteindre la querelle, elle a eu un malaise. Elle a piqué une crise et s'est effondrée dans mes bras. Paniquée, j'ai téléphoné aussitôt à notre docteur. Il m'a dit de la tenir éveillée en attendant qu'il arrive. Vu la situation critique de mon épouse, on l'a transportée de toute urgence à la clinique d'à côté où ils nous disent de la conduire là où elle s'est faite opérer. Malheureusement, son pouls avait cessé de battre en ce moment même. Ma femme n'était plus déjà là. Le révérend Kame Makoso continue en disant « C'est moi qui ai perdu ma femme. Je sais ce que j'endure en ce moment. Elle était ma vie, ma raison d'être. J'ai fait 19 années de souffrance avec elle. Vous savez ce que ça représente de perdre un être avec qui vous avez tout construit, avec qui vous avez tout connu. Je sais une chose, je suis strict avec mes enfants, mais très très doux avec mon épouse. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Personne ne va les empêcher. Personne ne va les en empêcher. C'est ça aussi l'Ivoirien. En ce moment, l'heure n'est pas aux explications. Nous sommes dans le recueillement et la prière. Je ne sais franchement pas si je pourrais vraiment me remettre du départ de mon épouse un jour. Que les gens comprennent la douleur qui est la mienne. Le malheur n'épargne personne. Quand tu as perdu quelqu'un de cher, tu sais respecter et tu respectes ce qu'est la vie. C'est en ces termes que le général s'est adressé à son public.